Et bonjour à tous, c'est Mister Gecko. On se trouve aujourd'hui pour la suite de notre Let's Play sur Phoenix Point. D'ailleurs, en parlant de Let's Play, ce sera plus vraiment un Let's Play parce qu'en fait, j'ai décidé de ne plus tout filmer en fait. C'est-à-dire que des fois, j'ai envie de jouer un petit peu hors vidéo parce que j'ai 15 minutes par-ci par-là et j'ai pas forcément envie d'enregistrer. Donc du coup, maintenant, ça va plutôt être une aventure suivie plutôt qu'un Let's Play pur et dur. Donc d'ailleurs la dernière fois j'ai un peu joué, enfin là j'ai pas mal joué même hors vidéo, j'ai fait plusieurs missions annexes dont une où j'ai récupéré un véhicule par exemple, une où j'ai avancé ma mission de pour le Synédrion je crois, enfin bref, donc voilà, et là je suis dans une mission où il faut que je détruise un camp de, enfin un camp, comment on appelle ça? Un terrier de Pandorien. Donc c'est une des missions, enfin pas mission principale, mais c'est une grosse mission quoi. Donc là j'ai déjà détruit une de leurs sentinelles, ici les sentinelles couveuses, et il faut que je trouve les autres et que je les élimine. Donc du coup on va avancer gentiment et on va essayer de faire ça. Ennemi détecté, ah bah une sentinelle en plus. Ok, donc elle est là-bas. Moi je parie qu'il y en a une par ici encore là. Peut-être là aussi, ouais. Là c'est vrai que celle-là elle est loin. Celle-ci est loin. Alors mon sniper, on va le mettre. On va avancer avec le berserker. Ennemi détecté. Zut, où ça? Là-bas, ouais, ça va, c'est à côté. Ok, donc là il n'y a toujours pas d'ennemis. C'est étonnant. Ennemis détectés encore. Ouais, bon, autour du truc là-bas, on s'en fout un peu. Ok, on va prendre le sniper, on va la mettre direct. Ici. Là on va avancer, hein, de toute façon. Parce qu'il faut qu'on avance. Hop. I can make a difference. Toi, tu vas venir ici. Going in. Let's show them what we can do. Ok. Je suis pas du tout à couvert, mais bon. Let's rock. C'est pas grave. Lui, il a une infection là. C'est pas cool du tout ça. Ah, j'ai deux choix, soit. La couveuse, je la défonce de loin. Si j'y arrive en m'approchant un petit peu là, peut-être que si je m'approche par là, je pourrais arriver à la défoncer de loin. On va voir. Est-ce qu'ils vont bouger déjà les pandoriens? Pas sûr ça. Je pense qu'il y en a une là, là. On voit des petites. Voilà. Il y a des trucs. Tu vas venir là. Ennemi détecté. Alors non, il y a juste un œuf ici. Attends, on va pas passer par là. Là. Alors toi tu vas te mettre ici. Le problème c'est que tu vas gêner tout le monde, non? Non ça va. Ok, donc d'ici on peut tirer dessus. Je pense que je vais me mettre par là. Il faudrait que j'aille là-bas après. Là il y a un autre ennemi. Il faudrait que j'aille par là, donc je pense que je vais défoncer lui. Prochain tour. Toi tu vas te mettre ici aussi. Voire même. Ah, ça sert à rien de s'avancer trop. Hein. Vas-y, tu vas te mettre à côté. Là, la sniper elle peut le viser. Ennemi détecté. Ok, ouais. Toi.
Toi, t'as du gros truc de pouvoir intervenir là. Pas qu'on se mette trop aligné non plus. Pour pas se gêner. Toi, tu vas avancer ici. Allez. On termine le tour comme ça, on va voir ce qui se passe. Oh! Tiens, lui il vient. Il vient vers moi. Ok, bon. Il va me tirer dessus lui du coup. C'est obligé. C'est pas grave, c'est pas trop grave à la limite. Ok, alors là déjà, toi. Tu vas tirer. Ah, tu peux pas lui tirer dessus du coup? Attends. Là. Ok, donc tu vas lui tirer dessus. Voilà, très bien. Préparation. Normalement, eux, ils devraient pas se préparer, hein, je crois pas. Voilà, très bien. Toi, du coup, tu vas lui tirer dessus aussi. Ah bah vas-y, très bien. Comme ça, on n'en parle plus. Voilà, c'est fini. Parfait. Ah, c'est tout. Ah ouais, c'était rapide. C'était rapide du coup. Très bien. Très bien, très bien. Eh bien, tant mieux. Ça m'arrange. J'avais pas envie que ça dure 10 ans. Ok, donc on va retourner à la géoscape. Et on va voir un peu ce qu'on peut faire. Et d'ailleurs, le véhicule que j'ai récupéré, je vais même pas l'utiliser parce qu'en fait, il prend 3 emplacements dans l'hélicoptère. Donc en fait, ça veut dire que je peux emmener que 3 soldats avec lui. Par contre, il peut soigner à l'infini. Et il soigne beaucoup complètement. Enfin, il est assez balèze. Ok, donc là, c'est très bien. On a augmenté les trucs. On a rien récupéré. On s'en fout. Le cadeau. Alors, le Phoenix Project a fait beaucoup de bien pour la Nouvelle-Jersey, en protégeant nos refuges et en nous aidant dans nos projets. Alors, dans un esprit d'amitié et de compassion, je vais vous offrir un cadeau. Acceptez le cadeau. Voilà, alors les îles Danu, ils m'aiment pas, le Cinerion, ils m'aiment moins bien, les matériaux de la technologie, ok, très bien. Ça me va. On va faire ça, ouais. Ok. Ah oui, donc là, il y a le vaisseau qui avait émergé aussi, ouais, c'est vrai. Pardon, j'ai dû taper dans le micro. Donc là... Là, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va aller explorer ce truc-là. Hop, intercepter vaisseau ennemi. Le petit, là, c'est celui-là, hein. C'est pas le... C'est pas le behemoth, hein, rassure-moi. Niveau de menace moyen. Alors on va sauvegarder juste avant quand même. Hein, parce que j'ai pas envie de perdre toute ma team. Voilà. Ça va sauvegarder. Hein. Ouais. Ok. Donc. Détruire les ennemis. Allez. Engager. Alors par contre je me rappelle plus comment on fait. Là il faut que je mette WQ, enfin, faut que je fasse comme ça je crois. QWE. Ah oui ça c'est la post-combustion donc ok. Donc 3 en premier. Donc là ça ça vise ça et ça ça vise ça en premier. Voilà. Et ça on utilisera quand on aura besoin. On se rapproche, on va le tirer dessus en premier, tiens. Ok, c'est intéressant. Ok, on tire dessus. Donc là, on va utiliser notre truc. Oui, on a touché, c'est bien. On va utiliser ça. Voilà, comme ça, il nous rate. Parfait, boum. On a détruit ses armes. Parfait, c'est très bien. Donc maintenant, on détruit sa deuxième arme. Oh là, c'est quoi ça? Oh, il m'a mis le feu au vaisseau. C'est chaud? Allez, vas-y. Je peux pas éviter avec ça, non? Vas-y, maintenant on le détruit. Hein.
Oh. Eh bien, désactiver toutes mes armes, du coup. Ça va se réparer au bout d'un moment ou pas? Comment ça se passe? Ou je vais brûler à l'infini, là? Je brûle à l'infini. Ça, je peux pas les réparer, du tout. Lui, c'est pareil. Ok, qu'est-ce qui va se passer là? Je vais mourir, en fait. Ça se passe comme ça. C'est nul. État du vaisseau. Sur le vaisseau ennemi retiré, atteignez la base Phoenix pour réparer, j'ai une minute. Done, ok. Bon bah on va retourner à une base Phoenix. Elle est où ma base déjà? Là. C'est la plus proche celle-là. Impossible de rediriger un vaisseau en retrait. Ok. Se déplacer. Ok, recherche terminée, extraction de mutagène. Mutagène peut être extrait auprès des pandoriens détenus au sein de confinement. Ok, donc Jeff ont capturé. Pensez vraiment que les réponses dont nous avons besoin en tant qu'espèce se cachent dans la biologie pandorienne que nous devrions. Ah, c'est parce que j'ai réussi le truc, ok. En extrait les mutagènes. Les disciples croient que les humains doivent évoluer et muter. Mais ne voyez-vous pas la misanthropie inhérente de cette philosophie? Blâmer l'humanité pour ce qu'un agresseur extraterrestre lui a causé. L'idée en elle-même est profondément immorale. Si nous commençons à nous dire que nous avons besoin des pandoriens pour pouvoir nous améliorer, pourquoi sommes-nous supérieurs aux collaborateurs qui se dit que l'ennemi rendra les choses meilleures sur le long terme? Je suis d'absolument d'accord avec lui là. Mais ça pour survivre, en fait. Les défauts biologiques de l'humanité n'est pas le mien. Pas les affaires de la Jericho. Ils nous sont nécessaires pour survivre. Bon, tant pis. Ok, allez, il va falloir que j'aille les aider. Site de ressources. Prenez les objets autant de caisses, comment la mission? Attendez, c'est lequel là? Ah, c'est lui là. Ok. Ça, c'est une bonne mission ça. Donc, ça, c'est l'autre. Ça, c'est mon autre vaisseau. Il y a pas mal de points d'interrogation. Je vais essayer de tout explorer par là parce que ça me rapporte pas mal de trucs. Et je vais avoir besoin de ressources. Du coup. T'as la brume, il commence à y en avoir un paquet sur la terre. Hein. Vraiment, ça je sais plus ce que c'est ça. J'aurais bien voulu détruire son vaisseau quand même là. C'est dommage que je me sois raté. Parce que là en plus je vais pas pouvoir défendre un truc du Cinérion. Ils vont sûrement m'en vouloir. Enfin bref. Du coup, bah là, on va faire ça. Ennemi pandorien, niveau de menace élevé. Ah ouais, quand même, c'est, j'ai rarement eu de élevé. Hein. Prenez autant d'objets. Prenez autant d'objets des caisses que vous pouvez porter sans risquer. Sans risque, évacuez votre escouade. Ok, alors, on continue. Okay. Ouais, surtout que j'ai moins de soldats. Là. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. On va voir ce qu'on peut faire. On va essayer de s'en sortir et de faire le maximum. Les véhicules peuvent transporter vos soldats durant la mission. Parce que t'as la grande portée de mouvement. Ah oui, c'est pas bête ça. Ouais, enfin le vaisseau que j'ai eu, enfin le véhicule que j'ai eu, du coup il est pas... Il permet pas d'attaquer, donc... C'est pas ouf. Je sais pas s'il est bien ce fusil d'assaut là. Je crois que je peux les, produire maintenant. Pas sûr, remarque. Enfin, je regarde aussi après où sont l'état de mes recherches et tout. Ok, donc, les caisses, où est-ce qu'elles sont? Il y en a une ici, une là. Voilà, là, il y a déjà un truc. Lui, il fait de la brume, lui, non? Ça, c'est un pénible, lui, je crois. Ok, donc, il y a une, deux... 3-4 caisses, c'est tout, hein. On est d'accord. Et l'évacuation, elle est où? Elle est ici. Là. Oula. Soit on peut... Ah si, il y a une autre caisse ici aussi.
Moi je dirais qu'on va prendre celle-ci, après on ira voir celle-là, celle là-bas, après on reviendra par là. À la limite, on pourrait poster le sniper ici là. Ce serait pas bête ça. Même si j'aurais bien voulu tirer dessus un premier coup là à l'autre là-bas. Bon allez, sniper en position. Ennemi détecté. Ennemi détecté. Tu vas te mettre là, tu vas être pas mal ici pour tirer. Il y en a un là-bas. Et l'autre, il est où? Je l'ai détecté, mais je l'ai déjà perdu de vue. Ouais, lui, il va faire son truc là. Il va faire sa brume. Ok, alors toi. On peut commencer à lui tirer dessus. Hein, à travers le mur. C'est un peu bizarre, mais. Pourquoi pas. Courir. Est-ce que toi, tu irais pas courir là pour récupérer les premiers trucs déjà? Hop. Toi, tu viens courir là. Ok. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est quoi ça? Technologie, ça je veux ça. Un point d'action. Ça c'est quoi, un chargeur pour tourelle automatisée. Pack énergétique pour bras. Même ça c'est des trucs que j'ai pas encore. Je vais prendre ça, c'est sûr. Ça je m'en fous. Ça je m'en fous aussi. Des balles. Je m'en fiche des balles, non? En vrai. En plus, j'utilise même plus trop ce sniper, je crois. Ok. What's our plan? C'est quoi ce sniper là? Est-ce que c'est. Ouais, c'est le Firebird SR. Donc, à la limite, on pourrait prendre ça. Pardon. On pourrait prendre ça. Le reste, je suis pas sûr que j'ai besoin. Je vais prendre ça au cas où. Pire, ça peut peut-être se revendre, j'en sais rien. Hop. Allez, et puis du coup, on va avancer par là-bas. Donc, toi, tu vas venir te mettre. Et bah, ici, on va voir comment tu peux tirer dessus. Sur ce truc-là. Bon. Ouais. Je m'attendais à peu près. Je m'attendais pas à mieux. Je m'attendais pas à mieux. Alors, on va rester en groupe. Hein. On va rester en groupe. Surtout que là, il y a lui qui va venir vers nous. Lui, il a quoi, lui? Il a une arme aussi, donc il va nous tirer dessus. Donc on va venir se mettre ici. Tant pis. Son prochain tour. On va avoir un sniper qui va être bien placé là. Donc on va pouvoir faire des trucs. Ouais, donc lui va mettre de la brume là, ça commence. Ça va être chiant ça. Ça va être relou. Faut qu'on l'élimine vite lui. Hein. Ok. Il y en a un là-bas. Allez, il va venir. Il va essayer de tirer sur mon sniper là. Ah non, il se met dans le bâtiment. Artron, bouclier alpha. Ouais. Oh, un myrmidon. Aïe. Aïe aïe aïe. Alors, on va commencer. Par notre sniper, faudrait éliminer lui absolument rapidement. Sinon, ça va pas le faire. Ok. Très bien. Tu vas lui mettre un coup de pistolet aussi. Bah non, pas à lui. À lui, s'il te plaît. Voilà. Paf. Très
Très bien, tu vas te mettre en vigilance, du coup, pistolet par là, là, c'est pas mal ça, comme ça. Ok. Toi, tu peux tirer sur lui ou sur lui. Je voudrais bien tirer sur le myrmidon là. Tu vas venir là. Ok, tu vas tirer sur lui. Ce serait bien que tu puisses lui faire pas mal de dégâts quand même. Ok, c'était très très nul comme tir ça. C'était très très nul comme tir. Elle, on va essayer de la faire avancer rapidement. Ah, mais il y a l'autre là-bas. Tu vas venir là, tu vas te mettre en. On va jouer sécurité quand même un peu, hein. Te mettre en vigilance par ici, comme ça. Ok. Toi. Toi, tu peux venir là. Et tu vas tirer sur le myrmidon. Oh là, mais vous êtes nul. Mon dieu, que vous êtes nul. Comment c'est possible d'être aussi nul? Vraiment, ils sont nuls. Vraiment, ils sont nuls, nuls, nuls. Ok, bah on passe notre tour de toute façon maintenant. On n'a pas tué ça, putain. Ça fait encore plus de bruit. Bon. Et voilà. Ça, c'est pas cool du tout. Ok, donc lui, il va me tirer dessus. Ouh! Ah oui, d'accord, lui, il a des grenades maintenant. Très bien, allez, vas-y. Oh non, c'est dommage, ça aurait été bien que ça le tue. Il s'en va. Bon, tant mieux. Bah lui va avancer, ouais, évidemment. Ok. Il y a pas mal d'ennemis, hein. C'est quoi cette arme? Ok, sniper en premier. Toi, j'aimerais bien que tu m'achèves ce truc là. Comme ça, on n'en parle plus. Voilà. Ça va pas me faire chier longtemps. Lui, il est trop loin. Lui, il est là. Il est trop loin. Lui, il est là. Bah, tu vas me tirer sur celui-là. Hein. De toute façon. T'es vraiment nul des fois, toi. Hein. Les gars, ce serait bien que vous soyez un peu moins nuls. Hein. Ça, c'était bien. Ça, c'était plutôt pas mal. Ok. Maintenant, toi, tu vas te mettre. Ici. Et tu vas nous tirer. Tu veux tirer sur personne de là. Sérieux. Bah, vas-y. Oh là là, non mais sérieusement, vous êtes nul, mais nul. Mais vous êtes un nul. J'en peux plus moi de cette nullité, les gars. Parce que lui il va avancer un peu, lui il va. Il va me contourner là, c'est pas ouf. Il y a un bouclier lui, c'est chiant. Masqué lui et lui. Lui il peut aller où là? Je vois pas où c'est qu'il peut aller. Vas-y, viens là. Prendre un peu de risque. Mais sérieusement, ça l'a pas tué quoi? J'y crois pas. J'y crois pas. Il a son bouclier en plus là.
Là, je peux me faire agresser. D'ici, c'est obligé. Là, je le tue même pas, je parie. Vas-y, on va prendre un peu de risque. On a des packs de soins. Vas-y, go. Ah, je peux tirer sur l'autre là-bas, mais non. Vas-y, là, tu le tues quand même. Putain, j'y crois pas. Combien il y a de PV? 16, putain, il va même pas mourir. Quelle horreur. Bon, allez, vas-y. Ok, lui, il est paniqué, donc il va rien faire. Il récupère, fantastique. Ah oui, j'avais oublié qu'il y avait lui, putain. Oh, ça va, lui, il reste en vigilance, ça, ça m'arrange. Bon, par contre, lui, il va me défoncer. Voilà. Ça, je m'y attendais. J'ai pas de pompe, là, dans cette équipe. Ok, bouclier. Oh là là, il y en a un qui pop, là. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ok, il tire sur mon sniper. Et parce qu'il a découvert, le sniper, là. Ok, bon, lui, il s'en va, ça m'arrange aussi. Alors, toi... Tu vas tirer sur lui. Wouah, il a mis la masse de PV, lui. Vas-y. Ok, donc là, sa tête est défoncée. Visée libre. Je le tue, là. Voilà. Très bien. Toi. Attends, on a dit qu'il y avait une caisse là-bas. Comment on y monte, là-haut? Par l'échelle, là, c'est tout. Il n'y a pas d'autre échelle. S'il y en a une là, mais ouais, c'est vrai que c'est là le mieux. Tu peux venir plus loin, toi? C'est pas mon plan de venir ici. C'est pas mon plan de venir là, si. Vas-y. Ok. Toi, tu vas venir ici, direct. Comment ça? Ennemi détecté, un myrmidon là-bas. Ok, c'est pas trop grave encore. On va essayer de l'escape. Si on peut, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est quoi ça? Car quoi pour abattre? Putain, mais lui il est déjà full. Ah, mais j'ai dit que je voulais pas de ça. C'est juste des munitions, ça, je m'en bats les reins. Surtout que j'ai pas les armes qu'il faut, donc. Donc on s'en fout. On s'en fout. Voilà, ah mince, il est trop chargé. Merde. Bah, tu vas acheter ça, hein, j'en veux pas. Point d'action suffisant. Oh là là, quel enfer. Bon, lui, il va falloir faire gaffe à lui là-bas. C'est là, hein, c'est tout. J'ai un peu peur sur ce qui va venir là-bas, moi. Bon, tu vas venir te mettre à l'intérieur, là. Ok. Toi, t'as déjà joué, mais oui, putain. Et mon sniper. Ouais. Il a son bouclier, hein. Carapace améliorée. Je pourrais tirer sur lui, mais j'ai plus de chances de le rater. Je préférerais tirer sur lui, moi. Voilà. Et au pistolet, après, je pourrais finir lui. Lui, il a 6 PV. Il saigne, non? Il va crever, de toute façon. Visez libre. Avec un peu de chance, voilà, très bien. Ça me va.
Ça me va très bien, et puis en vigilance par là, comme ça. Voilà, allez, terminer le tour. Lui, il est mort. L'autre là-bas, il va pas tarder de mourir aussi. Lui, il va me tirer dessus. Mais bon, il me rate un peu, c'est pas mal. Pour moi, je suis un peu blessé, mais ça va. Ça va. Faudrait que je me décale ici, en fait. Ouais, ça, je m'y attendais un peu aussi. Ouais, lui, il va crever bientôt. Ok, donc lui, je l'ai mis bien cher. Il se met en vigilance. Lui, il va se remettre en vigilance aussi à tous les coups. Non. Ok, ouais, il m'a touché, quoi. Il a réussi à me toucher, putain. Eh oui, bouclier. Alors, sniper. Non, premier à bouger, ça va être lui. Flo Vincenzo. Il va jeter ça. Ça pèse que 1, ça. Bon, allez, on jette ça, tant pis. Voilà. Ok. Et puis tu vas bah, tirer sur lui, hein. Ça le tue même pas, j'y crois pas. Vas-y, tire encore. Voilà. Ça, on n'en parle plus. Toi, j'aurais bien voulu que tu te mettes à couvert, mais bon. On va essayer de lui tirer dans le dos. Voilà. Oh mince! Ouf! Il m'a raté, j'ai de la chance. Et il se remet en bouclier, tranquille. Tranquille, le mec. Vas-y. Ok. Ouh, par contre, là, il m'a touché. Ouais, ouais, j'ai vu, ouais. Oula. Qu'est-ce qu'il faisait? Ok. Bon. Blessé, je sais pas. Il y a une table couchée, mais ça me couvre que dans un sens. Bon. Un peu dommage, ça. Qui c'est qu'on va envoyer là-bas en haut? On va envoyer quelqu'un là-bas en haut. Je peux pas y aller en fait là. Faut que je monte absolument par ici. Eh oui. Zut. Eh ben écoute, toi tu vas venir ici, carrément. Voilà. Toi. Que je la mets par là. Je pourrais le buter presque lui, non? Si je l'attaque. Même c'est qu'il a son bouclier pile poil là. Bon, ouais, on tente le coup. Ok, c'était nul. Faut qu'on bouge là parce qu'on n'arrête pas de se faire tirer dessus. Moving to coordinates. On va se mettre quand même complètement couvert là. Et elle? Bah non, pas sur lui. Pas sur lui non plus. Ah, soit je tue lui, soit je tue lui. Je suis même pas sûr que je peux le tuer lui. Si on le tire dans la jambe comme ça, je devrais le tuer. Il saigne donc il va mourir. Ok. Et toi, tu vas viser sur lui là-bas. Raté. Génial. Ah, j'avais dit qu'il fallait que je me bouge. Surtout qu'elle a pas de soin, elle. Et ouais, elle a pas de soin, elle. Papillote. Oh là là. Terminé le tour. Pas le choix. Lui, il est mort. Fantastique. Il est toujours pas mort, lui, il saigne, mais. Oh non. L'autre qui est planqué là, qui va me tirer sur mon. Il va me saouler avec mon sniper lui. Ouch! Là, là, il a pris cher la papillote. Alors, toi, tu vas venir ici. Là.
Ok. Des ressources. Le reste, on s'en bat les reins. Ok. Toi. Tu peux tirer sur lui là-bas. Targeting. Ouais. Précision en mousse. Précision en mousse. Ça, c'est une bonne position là. Avec de la vigilance par là. Parce qu'a priori, il tire pas, je crois. Toi. Mettre là. Faudrait que tu te soignes, toi, non? Vigilance par ici. Ok. Sniper. Allez. On peut pas se soigner, ça m'embête. Ça m'embête. Okay. C'est pénible que je peux pas tirer sur lui là. Je peux tirer sur l'autre là-bas. Ah. Vas-y. Ah, ça c'était très très bien joué. Ah non, il devient visible. Il a bougé en plus. Il a bougé en plus. Quelle horreur. Quelle horreur. Et toi? Toi, faut que tu reviennes vite là pour les aider. Running. Hop. Oui. Mais là, on va prendre cher. Oh, joli. Est-ce qu'il va encore me tirer dessus, lui? Ah non, il se déplace du coup. C'est bien parce que comme ça, je vais pouvoir le tuer. Ah oui, vigilance. Ça c'est bien. C'est très très bien. Ça m'arrange tellement. Ok, lui il recule. Qu'est-ce qu'il fait? Il peut tirer lui. Il a un sniper lui. Ah. Ok, il me fait de la paralysie en plus. Fantastique. Vas-y, mais il tire combien de fois lui? En plus, il bouge je sais pas combien de fois, laisse tomber. Bon, lui il va finir par crever. J'ai l'impression qu'il y a un ennemi qui pop à peu près tous les deux tours, un truc comme ça. Toi, tu vas venir ici. Hop. On va récupérer ça, on va récupérer ça. On va récupérer ça. Ah, des grenades, ça m'intéresse, des grenades. Ça, je m'en fous. Ok. Maintenant tu vas venir ici. Parce que la dernière caisse elle est là-bas en haut. On est d'accord, il n'y a plus d'autres caisses après. Ouais, tu vas venir là. Ok. Toi, tu vas te soigner. Voilà. Et c'est tout. Toi, tu vas descendre. C'est une bonne idée de se mettre là. Parce qu'il est pile poil dans la diagonale, lui, mais il pourra peut-être pas me toucher d'ici. Alors, déjà, mon sniper, là, vraiment maintenant, elle va pouvoir s'amuser. Voilà. Très bien. Et puis. On va tuer. Alors, attendez, lui là-bas, il a 16 PV et il a 10 de saignement. Je préfère moucher lui là. Ce serait bien qu'il perde son arme. Raté. Fantastique. Donc elle, je sais pas où on va la mettre du coup. On peut tirer sur qui? Ouais, le petit myrmidon, on s'en fiche. On s'en fiche. Tu vas te mettre là, tiens. Je sais pas si tu peux te mettre en vigilance par là-bas, mais tu vas le faire. J'ai mis une bouge. Ok, et toi, t'es ici. Tu
Tu vas venir là. Ah, par contre, je suis hyper à découvert là pour lui. Là. Vigilance par là-bas. On va voir ce qu'elle va faire. Paf, paf, paf. Terminer le tour. Qui était Pandorian? Ah, lui, il est mort. Il y a un autre myrmidon qui est arrivé. Ah, bah non! Du coup, ça c'est pas ouf du tout. Du tout ça. C'est même vraiment de la merde. Il s'est raté, fantastique, très bien. Ça me convient. Joli. On est bien à couvert ici. J'aime beaucoup. Ah non, ça c'est pas cool. Un artron fléau. Tour terminé. Lui. Ah très bien. Oh non, mais t'aurais pu le tuer quand même. Bon, par contre, il va crever le prochain tour. Hein. Il a pas l'air de lui rester beaucoup de PV. C'est abusé le nombre de points d'action qu'ils ont. Encore, ça fait une grosse vidéo. Putain, mais trois fois il peut tirer, il peut se déplacer et tirer trois fois quoi. Alors, toi. Alors, attendez déjà. Qui c'est qu'on va achever? Alors, attendez. Toi, est-ce que tu peux tirer sur l'autre là-bas? Oui. 20 PV. Ok, donc lui il est mort au prochain tour. Pas besoin de s'en occuper. Lui il va m'embêter par contre, l'espèce de moustique là. Espèce de moustique de mes deux là. Putain, c'est pas possible. C'est pas possible que j'arrive pas à tuer un putain de moustique quoi. C'est pas grave, on va prendre des dégâts. On va prendre des dégâts de toute façon. Sniper, alors elle va tuer. Oui. Si elle le tue pas, on va essayer de lui faire mal. Un. Et au pistolet. Pas lui, non. Lui, peut-être. Il saigne plus là-bas? Si, saignement 10, 16. Pire, dans 2 tours, il est mort, lui. Et lui, il lui reste combien de PV? Un peu plus que ça. Encore raté. Je tirais dans son arme, je crois. Il a bien visé pour une fois. Toi, tu vas te mettre là. Et puis tu vas lui tirer dessus. Putain, mais qu'est-ce que vous êtes mauvais, mes gars. Mais mauvais, mauvais, mauvais. Hein. Alors lui, il a 20 de saignement. Lui, il a 10 là-bas. C'est marrant, on dirait qu'il n'y a plus de saignement. Il n'y a peut-être plus de saignement, lui, là-bas. Toi, tu vas venir là. Et tu vas nous tirer sur lui. C'est vrai qu'on l'achève. Voilà. Je pense que c'est le plus dangereux. Ok, lui, il est paniqué, c'est très bien. Lui aussi, c'est très bien. Lui, là-bas, il va mourir. Il ne peut plus bouger. Et lui... Bah lui il va venir là du coup. Bon ça s'est plutôt pas mal passé finalement cette mission. J'ai été pas mal blessé mais ça s'est quand même bien passé. Lui il est paniqué donc ça m'arrange moi. Bon par contre il y a lui qui arrive là. Il se met en vigilance, ça m'arrange aussi. Toi t'as déjà chopé des trucs donc toi t'es archi plein. Donc tu vas venir te mettre... Ils sont par là. Voilà, on se replie. Hein. Là, vraiment, on se replie. Sniper, est-ce qu'elle peut s'évacuer en un tour? Ouais, carrément. Donc, est-ce qu'elle peut tirer sur quelqu'un? Tirer sur lui là-bas. Vas-y, il y a peu de chances que je le touche aussi. Salut. Papillote va clairement prendre des niveaux là. Hein. Tu peux pas te mettre en vigilance au pistolet ici, voilà. Comme ça. Voilà, toi tu restes ici. Non, bah non, il t'a déjà pris. Toi, t'as rien pris normalement.
venir ici. Pas pouvoir ramasser grand chose. Et oui. Bon. Tant pis. Toi. Tu vas venir là. Hop. Très bien. Et toi. Tu vas venir. Ici. C'est pas mal du tout ça. Ok. Ils ont pris cher un peu quand même, les gars. Oh non, non, non. Surtout pas ça, quoi. Oh non, lui, c'est le pire, le corrupteur. Là. Alors, mon sniper peut peut-être s'en occuper, mais... Un Artron tyran alpha. Ok, bon, lui, il va faire de la merde, hein, comme d'habitude. Les myrmidons, là, mais avec un peu de chance, là, je peux me... Ah, attendez. Lui... Hop. Il peut faire ça, lui. Voilà. Je peux récupérer... Ah merde, j'ai trop de trucs sur moi. Bon bah tant pis, j'enlève ça. Hop. Et il peut pas se barrer ce tour-ci. C'est dommage. Tu vas venir là. Toi, est-ce que tu peux te barrer le prochain tour? Ouais. Donc tu vas te mettre en vigilance par ici. Ce tour-ci. Toi, tu vas faire pareil. Parce qu'il y a deux ennemis qui viennent de là-bas. Mon snipe, elle va se mettre ici. Et elle va sniper. Elle peut pas le sniper, mais... Il est trop près. Putain. Vas-y, là. Ah. Dommage. Dommage, dommage. Allez, on se replie, les gars. Hop. On a presque fini. Bon, là, il est mort, hein, je pense, voilà. Lui aussi. Mais il va se prendre mes coups, non? Voilà, très bien. Le corrupteur. Alors là, par contre... Oh, ça va. Très bien. Donc... Là, on vient là. Est-ce qu'on peut évacuer tout le monde? Pour le moment, on n'évacue pas, parce que si je peux pas évacuer tout le monde, c'est pas bon ça. Ok. Heureusement, j'en ai qui ont beaucoup de vitesse. Hein. Ok, toi, tu viens là. Qui va être le plus loin maintenant. Bon, c'est bon, tranquille. Non. Allez, on évacue tout le monde. Très bien, évacué, oui. Évacué, confirmé, évacué, confirmé. Confirmé, évacué, confirmé. Très bien. Bon. C'était un peu chaud, mais ça l'a fait. On a été bien blessés. Ouais, deux gains de niveau. Très bien, Papillote 164 d'XP. Hein. Et oui, ça fait du bien. Allez, on retourne à Geoscape. Par contre, là, il va falloir les soigner. Hein, parce qu'on a pris cher. Mais on verra ça du coup la prochaine fois. Parce que ça fait une belle vidéo de 50 minutes. Et oui, j'ai pas vu le temps passer. Allez, donc moi sur ce, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Et je vous dis à bientôt pour la suite de ce Let's Play. Allez, salut à tous. Ciao.